Chers amis de la presse, nous sommes à cette date aujourd'hui du 2 février 2018. C'est ma première conférence de presse. Merci d'être venu à Divo. Je suis là avec le président Seiko. Il est le président de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Moi, je suis le guide de cette confédération, mais en même temps, le responsable du ministère de la compassion des âmes, un ministère à caractère évangélique, c'est-à-dire l'évangélisation et pour la destruction des œuvres des ténèbres. Bonne heureuse année à chacun d'entre nous. On va se lever nos verres. Juste. Voilà. Vous êtes à mon domicile privé de Divo. Voilà, soyez bénis. Amen. Amen. Les champagnards, je suis désolé. Voilà, c'est. Donc, soyez bénis, bon séjour à Divo. Voilà, soyez bénis. Que cette année vous apporte assez de grâce et tout, assez de bénédiction. Sur ce, j'attends vos questions. Ok, Marshal, au fait, c'est un honneur pour nous d'être à votre domicile privé. Ce matin, vous étiez dans le village de Zaroukou. Tout à fait. Pour la consécration de la maternité. Et du dispensaire. Du dispensaire. Quand on sait ce qui s'est passé auparavant dans ce village, aujourd'hui, le village est pourvu en maternité, en infirmier. Qu'est-ce que cela vous fait? Quel sentiment vous anime aujourd'hui? Ben moi, ça confirme mon appel. C'est justement la confirmation. Parce qu'on reconnaît que l'arbre n'a pas ses fruits. C'est vrai que l'arbre est là. C'est pour ça que Jésus-Christ a maudit le figuier. Le figuier ne produisait pas la maudite. Il faut produire des fruits. Le ministère, ça concrétise un peu notre ministère. Voilà, donc pour nous, c'est le développement. Voilà, nous avons une manière de nous battre pour le bien-être de l'être humain. C'est pour ça que pour nous, il faut que la sorcellerie soit éradiquée, n'est-ce pas, pour qu'il y ait le développement. Parce que la sorcellerie, c'est anti-développement. Au moment où on rentrait dans le village de Zaroko, il y avait un dispensaire qui était en construction, qui était même fini, si vous voulez, qui était même fini. Et qui ne pouvait pas s'ouvrir parce qu'après 10 ans, c'était fermé. Les herbes ont envoyé tout ça. Le Seigneur m'a utilisé à enlever le cadenas mystique dans ce dispensaire. Et sur ce, on a commencé à prier aussi pour de l'eau. Et Dieu merci. Après nos prières aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui le dispensaire a été fait, la maternité. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans santé. Nos soeurs, les jeunes filles mouraient, les dames mouraient parce qu'il y avait un problème. De quitter Zaroko, aller à Iré, c'était bon, le chemin était, c'est plus de 5 à 6 km. N'est-ce pas? C'était un peu difficile. Donc aujourd'hui, gloire à Dieu, pour moi, c'est une grande joie et ça confirme parce qu'on reconnaît l'arbre à cette rue. Tu peux ne pas aimer le prophète Crasso, comme je disais ce matin, mais le témoignage est là, le témoignage. Parce que j'ai prophétisé, j'ai même prophétisé sur le village et tout ça. Mais aujourd'hui, ils ont le dispensaire. Moi, je pense que ça confirme notre appel, ça confirme un peu, n'est-ce pas, ce qui est en nous. Voilà, c'est le fruit un peu de ce qui est en nous. Alors, tout à fait, vous avez parlé de développement et c'est le village des aéroports pour situer les choses dans le temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand dit votre histoire avec ce village? Oui, c'est depuis 2013. Voilà, depuis 2013. En fait, on n'était pas venu pour Zaroko. J'avais des grands programmes à La Palmas, avec le président Seiko, on faisait des conférences à La Palmas. On a été, les premiers à être reçus sur la chaîne de télévision, la 2. Pour parler d'une bonne sorcellerie, il y avait Benzaoui et tout ça. Il y avait mon cabinet Carrefour Guingamp, je recevais des gens. Tous les dimanches l'après-midi, on recevait des gens à Abidjan. Et puis bon, on allait intervenir dans les villages et tout ça. J'étais à Dalois, on était déjà posté sur le YouTube. Parce qu'il y a mes chaînes de communication qui ont dit, mais il faut utiliser quand même les réseaux sociaux pour communiquer parce que le message est très fort. Et le message, je peux toucher sur la diaspora parce que tu veux toucher pas mal de personnes. Au départ, je ne voulais pas. Donc, on a essayé de mettre sur le YouTube. Et puis, du coup, les gens commençaient à s'intéresser parce qu'ils avaient peur de la sorcellerie. On parlait des sorcellerie, ils avaient peur de la chose. Ils voyaient un homme comme le prophète Crasso qui démystifiait la sorcellerie. Et c'est comme ça qu'il y a une dame qui était malade, Elisabeth Dubé, qui était malade, qui, après avoir construit une maison au village, qui était malade, tout ça, problème de paralysie, et qui m'a contacté. J'étais à Dalo en mission. Et c'est comme ça qu'il entre en contact avec moi. Deux jours après, je lui donne une révélation qu'il y avait un canari mystique à la rentrée de sa maison, de la maison qu'il avait construite au village et tout ça. Et c'est comme ça que je suis rentré. Le village m'a bien reçu, sa famille. Quand j'ai fini avec la famille, on a détruit le canari mystique. Et c'est comme ça que le village a décidé
de pouvoir l'aider. Et je suis allé quelque part dans une autre maison où on avait déterré des différentes choses. Moi, j'ai ce don. Hein. C'est le don de la voyance. En fait, le prophète, c'est la voyance. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir des choses et de les détruire. Voilà. Donc, j'ai ce don-là de la voyance et tout ça. Je ne suis pas de voir. Il y a des gens qui voient, mais ils ne peuvent pas détruire. Ça, c'est dangereux. Nous, on voit, on détruit. Voilà. Et voilà, on voit, on détruit. Si il y a un canari, il y a des gens qui peuvent dire, non, ton papa ou ta grand-mère a enterré un canari, ils ont enterré les choses dans le village. Non, on a dit, j'étais en ville quand je disais, il y avait un canari, mais tu es venu au village. Parce que pour nous, il ne faudrait pas qu'elle reste en France. Elle est en France. Donc, je suis venu au village, effectivement, au village, j'ai eu la révélation. Et je suis venu détruire et enlever le canari que j'avais vu, que le Seigneur m'avait montré. Donc, ça confirmait encore, n'est-ce pas, que Dieu était dans la révélation que je venais de donner. Quand le village a vu ça, ils m'ont demandé d'aider. Donc, ils avaient déjà mangé, il y a une dame qu'on avait déjà mangé là-bas. Tout ça, je suis allé dans la cour parce que je voyais qu'il y avait quelque chose là-bas. Donc, il y avait des points comme ça, jusqu'au le dispensaire. Quand le village a vu, ils ont dit, mais c'est le monsieur qu'il nous faut ici à Zaroko. Et il y avait un problème d'eau parce qu'il s'est lavé avec eau de maringot, tout ça. Et j'ai prophétisé d'ici, même moi, j'avais de l'eau, effectivement. Il y a des sociétés minières. Du coup, les gens ont décidé de créer un forage. Un forage à Zaroko. Aujourd'hui, ils ont de l'eau potable. Donc, voici quand même les choses positives. L'esprit du prophète, donc Zaroko et moi, on a une histoire. Donc, c'est avant prophète Crasso et pendant prophète Crasso, quand même, il y a des choses que ce qui dit aux gens, quand même, on a la capacité d'analyser les chants, tout ça, mais on peut peut-être ne pas aimer le prophète Crasso, mais quand même, avant et après, et pendant, on peut comprendre déjà que pendant, après les prières du prophète Crasso, il y a quand même eu un grand changement. Et dans la vie des gens, et je participe au développement des gens, parce que maintenant je suis dans l'éducation, je finance. N'est-ce pas, des études de certaines personnes. J'aide aussi les enfants à l'école parce que chaque entrée scolaire, j'ai des kits scolaires que j'apporte à l'école. On va y arriver. On va y arriver concernant le volet social, socio-éducatif. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Zaroko, Dieu est en train de vous utiliser pour sortir progressivement à ce village des ténèbres. Alors, Divo compte beaucoup d'autres villages. Alors, quand est-ce que vous allez aussi vous occuper de ces autres villages qui attendent certainement d'être délivrés? Très bien, ça c'est une très belle question. D'abord Zaroko, comment d'arriver, c'est ta question. Zaroko, d'abord, il faut dire que dans ce village, il y avait plus de 9 à 10 personnes qui mouraient par semaine. Voilà. Et certains villages, ils ont rempli un cimetière en 2 mois. Voilà. Donc déjà, c'était une victoire. On savait dire que là-bas, il y avait plus de prisons de la sorcellerie. Donc, on a fait un travail propre, on a une base là-bas. On essaie de toucher beaucoup de choses. Vous savez, Dieu, il y a des endroits où Jésus-Christ n'est pas entré dans la Bible. Parce que c'est Dieu, il faut l'accepter. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas fait de miracle à Nazareth. Nous sommes ici à Divo. C'est les gens de Zaroko qui ont accepté. Ils nous acceptent. Nous allons évangéliser dans les villages. Mais eux, ils ont accepté d'associer Dieu dans leur système de développement. Ils ont compris qu'il y avait la sorcellerie. Il fallait associer Dieu. Mais encore, ici à Divo, il y avait des choses qui étaient bloquées. Il n'y avait pas de voie comme ça. Hein. Ici à Divo, la voirie était dégradée. Pour ceux que vous-même, les journalistes qui avaient l'habitude de venir ici, au marché et tout ça, c'est depuis notre présence ici que les choses ont été faites. À Doudoko, vous avez vu ça tout à l'heure. C'est les choses qui ont été faites pendant que nous sommes ici. Donc, vous dites, déjà, mais là, le fait que nous soyons ici, déjà, ça a facilité les choses sur le plan spirituel. Parce que c'est pour ça que nos dirigeants, nos maires, les présidents de conseil doivent collaborer, si vous voulez, associer Dieu à leur système de développement. Vous ne pouvez pas parler de développement et puis ignorer ceux qui sont anti-développement. Parce que vous voulez ou pas, il y a des gens, ce n'est pas des illusions, ce n'est pas des choses qu'on a inventées. La sorcellerie existe bel et bien, et les sorciers sont anti-développement. Donc, pour nous, déjà, on attend que d'autres personnes nous invitent, mais on fait pas mal de villages. Ben, ils nous invitent pour les évangélisations, les prières. Ce n'est pas comme Zaroko, on dit, non, ici, restez. Vous avez entendu le chef du village parler pour dire, tiens, tu es maintenant un notable, peu chez eux, le prophète Crasso, il est membre du village. Et nous, on a fait des Zaroko notre base parce que, comme je vous disais, les gens mouraient assez à Zaroko. Par semaine, on pourrait avoir 9, 10 morts. Aujourd'hui, c'est les choses qui n'existent plus. Donc, on attend que d'autres personnes nous invitent. On a visité pas mal de villages, quoi. Comme Gora, où il y avait le dragon, on allait de toutes les choses à Gora, Douavi, c'est des choses qu'on a, pas mal de villages. Dans son village aussi, Grémia. Même Grémien ici, on a fait l'évangélisation, lui, mais il sait, on allait poser un acte prophétique aujourd'hui. C'est les sorciers qui ont commencé à mourir à Grémien. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites quand même.
Professeur, si vous devez faire un bilan chiffré de votre présence ici, combien de personnes avez-vous sauvé depuis que vous êtes dans la zone? Des milliers de personnes, mais combien de sorciers délivrés? Et là, moi, je vais chiffrer ça depuis 2006, quand il a commencé le combat. Nous sommes déjà à 9000 aujourd'hui. Voilà, nous sommes à 9000. Vous notez, hein? 9467. 9467 sorciers délivrés. Et quand les sorciers délivrés, comprenez déjà que c'est des villages, c'est des familles qui ont été libérées, c'est des personnes qui ont été libérées. Parce que quand un sorcier est libéré, délivré, il libère aussi ses victimes. Voilà, donc c'est quand on dit, donc c'est beaucoup de personnes délivrées en même temps à la fois. Vous l'avez dit tout à l'heure, sur le volet, les actions de développement ont été posées à Zaroko, Nairobi et autres. Alors, si on vous demandait de nous présenter les deux tableaux, la période avant votre arrivée et cette période, je ne dirais pas après, mais au moment où vous agissez, Dieu, bah, votre canal agit puissamment. Alors, comment vous dressez, comment présentez-vous les deux tableaux? Le tableau d'avant et le tableau de... Le tableau d'avant était trop négatif. À point que les gens d'abord, même sur le plan truc, les enfants, les jeunes ne venaient pas au village. Ils avaient peur. Voilà. Il y avait une psychose. Où c'est, j'avais des témoignages. Quand quelqu'un vient au fait en vacances, dès qu'il retourne, il meurt. Il y avait ce problème. Depuis que nous sommes arrivés à Zaroko, on a participé, on a prié pour Zaroko, on a motivé les gens. Comment on les motivait? On organisait tous les vacances, n'est-ce pas, des compétitions de football, pour motiver les gens. Donc, une fois, deux fois, chaque une vacances, deux vacances, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de... Jusqu'aujourd'hui. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est déjà positif. La jeunesse qui devait se retirer, la jeunesse qui avait peur de venir fréquenter leur région, ça commençait à aller. Et on a commencé, n'est-ce pas, à s'investir. Parce que la sorcellerie peut même détruire la carte mémoire. Il y a des gens qui échouent beaucoup bas dans les études, tout ça. Aujourd'hui, vous allez voir à Zaroko, au CEP, il y a eu 100%. Il y a eu 100% au CEP. On a eu beaucoup de personnes aussi qui ont eu le baccalauréat, tout ça. Beaucoup de personnes sont à l'université. Donc, déjà positif. Aujourd'hui, il y a les voies, telles que la voie du Doku. Cette voie où il y avait, n'est-ce pas, qui était comme un lac, aujourd'hui ça a été réhabilité, cette voie et tout ça. Donc, je pense que maintenant c'est vraiment positif. Et puis bon, voilà. Donc, par rapport à avant c'était trop négatif parce que les gens mouraient assez. Je ne dis pas que les gens ne meurent pas, hein. Mais avant c'était encore plus grave, c'était encore très grave. Les gens mouraient assez, les gens avaient peur de fréquenter les villas. Or, nous, c'est ce qu'on doit aller dans la tête des gens, qu'on veut ou pas, on est dans des. Je m'avais à New York. Sans problème. Aujourd'hui, quand je suis à New York, je dois à Manhattan, dans les grands suites. Je m'en vais en France, dans les grands coins. Mais nous voici au village. Parce que pour nous, il faut que nos villages soient développés. C'est ça le combat que nous menons. Que quelqu'un qui est en France n'ait pas peur de venir construire dans son village. Et puis d'ailleurs, depuis que nous sommes à Zaroko, les gens commencent à construire à Zaroko. Ils ont commencé à construire à Zaroko. C'est le combat que nous menons. Donc le combat a été très positif. Il y a eu le développement. Les gens maintenant le courage de venir pendant les week-ends. C'est pas loin d'Abidjan d'ailleurs. Abidjan, Divo, Abidjan, c'est en quart, c'est 2h15. Facilement, les gens arrivent pendant les vacances, les gens sont motivés à faire venir. Comme je disais tout à l'heure, je vais encore parrainer, n'est-ce pas, les activités de vacances encore cette année, dans le but de pouvoir aider la jeunesse, parce que ce sont eux qui sont la relève de demain. Donc, c'est positif, le bilan est très positif. Prophète, aujourd'hui, nous sommes allés célébrer l'une de vos actions, la consécration du dispensaire de Zaroko. Tout à fait. Dites-nous, comment s'est opérée la délivrance de ce centre de santé? Très bien. L'opération, comment ça s'est passé? Très bien. D'abord, c'était en 2014, pendant que je priais pour cette femme chez elle à la maison qu'on a détruit les Canaries, pendant une nuit, le Seigneur m'a montré que dans le dispensaire, parce que ça faisait 10 ans, le dispensaire avait fait 10 ans, était dans la broussaille. Voilà. Il y avait tout. Il y avait tout, on ne pouvait pas fêter, n'est-ce pas, un infirmier, du sage, parce que c'était déjà tout construit, mais c'est resté dans la broussaille et ça s'est dégradé. Et le Seigneur m'a montré qu'il y avait un cardinal mystique dans le dispensaire. Et moi, je suis allé, j'ai parlé de son chef. Et il m'a envoyé des notables dans la journée. Je suis allé avec tout le monde, devant tout le monde, j'ai détruit le cardinal mystique devant tout le monde. On a même la vidéo. La vidéo même est là. J'ai détruit le cardinal mystique devant tout le monde. Devant le cardinal mystique. Et depuis lors qu'on a détruit le cardinal mystique, les gens commencent à s'intéresser. Ce qui était oublié, les gens commencent à s'intéresser. Voilà. Et moi, j'ai dit, comme les choses étaient spirituelles aujourd'hui, ça va se faire puisque le spirituel a été réglé avec Dieu, bien sûr.
Et aujourd'hui, voici ça, chose faite aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une grande joie parce que il faut pas que les ténèbres règnent sur la lumière. Il faut pas que les ténèbres règnent sur les non-villages. C'est ça un peu le combat. Donc pour moi, c'est une grande joie de comprendre que le diable venait de jouer quelque part sur le territoire des Alokos. Ok. Je voulais savoir, c'est vrai que vous avez réalisé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire, selon vous? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Et ensuite, on vous sent beaucoup impliqué sur le volet social, dans le volet social, dans le développement. Quels sont vos rapports avec les personnalités, les autorités de la ville d'abord et de la région? D'abord, ce qui reste à faire, c'est de gagner maximum de personnes à Jésus. Parce que moi, je suis d'abord un prédicateur de l'Évangile. Mon but, c'est d'amener des gens qui connaissent Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur. Il y a beaucoup à faire parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore connu, qui n'ont pas encore connu Jésus. Donc, cette année même, nous envisageons, n'est-ce pas, organiser des campagnes d'évangélisation dans les différents villages. Tels que même à Irévi, nous avons une grande croisade d'évangélisation bientôt à Iré. Et encore cette année, c'est maintenant que nous décidons de construire un grand temple. Voilà. Cette année, nous allons poser la première pierre dans le mois d'août, la première pierre de ce grand temple, tant attendu. Voilà, tant entendu. C'est dans le mois d'août où la convention internationale, je parle d'international, il y aura le Canada, les États-Unis, la France, l'Europe, tous les enfants spirituels seront là. Voilà. Et puis, construire un temple à l'image de Dieu, pour la grâce de Dieu. Dans des passages, je viens dire merci à au président Seko, les propriétaires terriens nous ont donné des terrains pour construire ce grand temple à l'honneur du Seigneur. Voilà, donc mes rapports avec les autorités, tout va bien. Voilà, j'ai pas de problème avec eux. D'ailleurs, je prie pour le maire de la ville, je prie pour le préfet, je prie pour le président du conseil, je prie pour tout le monde d'ailleurs, c'est vraiment important. Pour moi, c'est de voir Divo se développer. J'ai ce fardeau là, c'est ce fardeau là, mon cœur. C'est pour cela que pour moi, chaque fois je pose des actions, telles que aujourd'hui, parce que vous voyez, le spirituel et le social va de pair. Si ton âme est nourrie, ton corps doit être nourri. Moi, je condamne cette histoire de voir un pasteur qui dit aux gens, tu pries pour les gens, puis tu as de l'argent, quelqu'un a faim, et tu lui dis, va, le Seigneur pourvoira. Mais ce n'est pas le Seigneur qui a mis les boules de placalite dans le ventre du chat. Ce n'est pas le Seigneur qui a mis les bouts de taux, ou bien c'est pas quelqu'un qui a mis la sauce arachie avec d'abou dans le ventre de la cette personne. Si tu as l'argent, donne. Il y a des gens, leur délivrance, c'est un billet de 1000 francs, par exemple. Donc moi, j'ai décidé. Ce que vous ne savez pas, à Zaroko, il y a des champs de jamjam. Voilà, jamjam, j'ai fait du business, jamjam. Je suis en train de créer une école de livrage pour permettre aux gens de se prendre en charge. Voici encore le volet du prophète Kratso encore dans cette région. Pour se prendre en charge. Parce que, pourquoi? Parce que la terre qu'ils ont à Zaroko, ça peut leur apporter des millions. Ça peut leur apporter des millions. Je parle avec eux, c'est pour ça que je parle avec la jeunesse. Il y a des aspirants. Un hectare de jamjam que vous voyez, un hectare de jamjam, après un an, ça peut fournir 20 millions de francs CFA. Il y a la terre. Au lieu d'aller se mettre dans l'éveil, il y a la terre. Un an, tu as 20 millions. Je prends l'exemple de Comcombe, que vous voyez, Comcombe. En 3, en 4 mois, vous avez 5 millions. Toutes les surfaces prennent ça, tous les supermarchés, ils prennent ça. Tous les restaurants ont besoin de ça. La tomate. Les gens, ils ne savent pas. Ils ont envie, les insisteurs, ils ont envie, les gens. Mais depuis qu'ils ont compris, et que j'ai commencé à être en contact avec eux, c'est pour ça que les jeunes, les Arocos, les aiment beaucoup. Parce que moi, non seulement ça, je leur donne l'évangile, et puis je leur demande aussi, je leur donne la monnaie de se prendre en charge. C'est ça, la différence entre moi et eux, avec d'autres personnes. La différence. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens, Jésus-Christ n'a pas fait que prêcher. Il a donné à manger aux gens. Frère, les gens, si quelqu'un a faim, tu vas lui parler de Dieu, ça va rentrer, ça va sortir. Ça va rentrer, ça va sortir. C'est pour ça que les gens, quand on s'assoit avec eux, on parle de Dieu. Mais en même temps, je leur montre aussi que le business. Ici, un orphelinat, et j'encadre 1000 enfants dans la ville de Divo. On a les gens à Doulaboubou, ici. À Dialogue, tout ça. On a des enfants à Zaroko et chaque entrée scolaire, je fournis des kits scolaires aux enfants. Je les motive à aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un, l'enfant n'est pas là à l'école, c'est un thème mal. Vous l'avez détruit. Vous avez détruit toute sa vie. Vous avez détruit toute sa vie. Donc, avant la rentrée scolaire, j'ai des grandes rencontres d'ailleurs.
le 24, le 24 février, ce mois-là, on a une école, notre fondation fait une conférence, une école des parents, le devoir des parents vis-à-vis des enfants, de leur éducation. Parce que nous, dans notre fondation, il faut aussi éduquer les parents. C'est parce que les parents ne sont pas éduqués que nos enfants sont mal éduqués. Parce que dans la tradition africaine, l'enfant vient au second plan. On ne pense pas que l'enfant peut nous suicider demain. Nous, on le met entre la main de Dieu, on se lève le matin, le papa, même quand il déjeune, elles sont recouchées. À peine, ils pensent à l'enfant. Quand il a fini de manger le riz couché, que j'aime bien, moi j'aime manger le riz couché. Quand il finit de manger le riz couché, qu'il boit son bandit, vient de Parme. Quand il a bu, c'est là qu'il voit le papou doit manger banane braisée et le rouge. C'est là pas pour son goûter. Mais un enfant comme ça, il va avoir quoi dans la tête? Vous voyez donc, pour nous, un parent, quand on dit un enfant, il faut le prendre en charge. Donc, on va travailler avec le juge d'instruction, comme on a l'habitude de faire, le juge d'instruction qui sera le conférencier à la fondation, au fait du Akraso, inviter les présidents des jeunes des différents villages. Qui sont reliés à la commune de Divo et les différents chefs de la commune des villages de Divo, des quartiers et des différentes sociétés des femmes, un samedi, un table, déjeuner, débat, échanger avec eux, leur donner cette notion pour dire penser à la succession demain. Nos enfants, là, si on les laisse, ils sont là des microbes. Si on les laisse, ils sont mal éduqués, ils sont les microbes. Nous devons les aimer, nous devons les éduquer. Donc, voici ce qu'on essaie de faire au niveau de la vie. À part annoncer l'évangile, mais on essaie de participer au développement de la vie. Donc, c'est ça, il faut écouter le prophète, c'est-à-dire son message. Quel est le message? Je ne suis pas là, je ne fuis pas. Je quitte en Europe, je quitte dans mon avion, je descends ici, je reviens ici. Et je participe au développement de la vie. Voilà, donc, le rapport avec les autorités, il n'y a pas de problème, on s'entend très bien. Je n'ai jamais vu une autorité. D'ailleurs, si les gens veulent m'aider, gloire à Dieu, je n'ai jamais allé tendre la main à une autorité pour demander, donnez-moi de l'argent parce que je consomme dans le féminin. Ce qui est vrai. C'est dans la zone de Divo. Normalement, ils devaient me venir en aide. Normalement. Voilà, normalement, les autorités, mais jamais, je n'ai aucune autorité m'est venue en aide, m'a apporté son soutien. Voilà. Mais moi, je ne fais pas de simples problèmes. Je n'ai pas créé ça pour aller demander, pour mettre ça sur la charte. Je me dis que ça ne fait pas partie peut-être de leur programme, mais ça fait partie du programme de Dieu. Moi, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Et je pense que Dieu pourra toujours, donc je ne me plains pas. Voilà, donc je ne peux pas créer un orphelinat et puis aller merder le maire, aller merder le préfet, aller merder. Non, je n'ai pas créé pour aller merder les gens. Et j'en ai un problème à eux. Si c'est moi qui ai décidé de faire l'orphelinat, c'est à moi Dieu a parlé. C'est pas au maire. Non, c'est pas au maire que Dieu a parlé, ni au préfet, ni au député, ni au président du conseil que Dieu a parlé, c'est à moi. Alors comme Dieu, quand il te parle, il pourvoit toujours, il donne les moyens. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc je vous explique un peu quelque chose qui s'est produit. Quelque chose qui s'est produit un peu au niveau de Divo. Il y a quelque chose qui s'est produit un peu au niveau de Divo. D'abord, j'ai dit merci déjà au ministère de l'Intérieur pour dire le passage qu'on a. Nous avons donné notre agrément depuis le 5 janvier. Voilà, vraiment merci au gouvernement, à ce gouvernement. Vraiment très merci parce que c'était vraiment un obstacle. J'ai dit obstacle, pourquoi? Parce que les gens prenaient des obstacles pour nous créer pas mal de problèmes. Nous avons traversé des moments difficiles. Mais, nous sommes restés, n'est-ce pas, dans un calme. Nous avons eu la maîtrise de soi. Nous n'avons pas fait des tapages. Je n'ai jamais appelé un journaliste pour dire non, telle seule personne. Mais à la rentrée scolaire, cette rentrée scolaire-là, il y avait des enfants qu'on devait amener au public. Donc, on avait déjà le récépissé. Pour avoir un récépissé, d'abord, le document part à la préfecture. À la préfecture de Divo. On vient faire une enquête de moralité. Et puis, on dépêche les documents, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur. Donc, sur la table du directeur de cabinet. Et c'est eux qui nous délivrent, n'est-ce pas, un récépissé venant du ministère de l'Intérieur. Qu'on avait déjà ça pour travailler, déjà commencer à travailler. À mon tour, on avait déjà l'orphelinat, on avait déjà les locaux. Donc, l'enfant, parce que nous mettons l'accent sur l'éducation. On démarre la chose, on part maintenant vers les autorités. Nous avons fait notre part. Et leur part, c'est de nous venir en aide, nous appuyer dans l'éducation des enfants. Parce que la plupart des enfants sont des enfants rejetés, mis à la rue. Aujourd'hui, les gens parlent du phénomène des microbes. Mais nous aidons le gouvernement ivoirien à éradiquer ce domaine-là. C'est que vous ne savez pas peut-être, même à Abidjan, j'aide les enfants, même à Abidjan. Je donne à manger aux gens, même à Abidjan, j'apporte beaucoup de trucs. Bon, il y a des choses que je n'aurais pas dit. Mais j'aide les gens, même en dehors des Divo, je poursuis toujours l'action de la fondation. Donc, je prends l'exemple de Divo. Donc, les enfants doivent entrer à l'école. On vous demande de les mettre au public. Ce n'est pas payant. Nous serons chargés
de payer, n'est-ce pas, leur fourniture scolaire. Les gens ont refusé de prendre les enfants. Sur prétexte qu'on a un récépissé. Mais on a un récépissé, mais c'est délivré par qui? Le récépissé qui a donné? Ah non. Et puis, ce n'est pas la seule chose. On avait reçu 4000 chaussures. Parce que pour nous, il fallait chausser les enfants. C'était un problème. Voilà, l'école, les enfants ne sont pas chaussés dans les cartables, ils ne sont pas chaussés. Excusez-moi, prophète, est-ce que vous avez fait le retour au ministère de l'enseignement? Non, je suis allé d'abord à la DREN d'ici, à l'inspecteur. Je me suis adressé à l'inspecteur, mes collaborateurs. Parce que moi, je ne suis pas déjà mis devant. Je travaille avec les collaborateurs. Je les ai envoyés à voir l'inspecteur de notre zone ici. Et c'est l'inspecteur qui s'adressait au directeur de la zone, la DREN. Et c'est le monsieur qui a refusé, sur prétexte qu'on n'avait pas, n'est-ce pas, notre agrément. Donc, nous, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Puisque moi, je travaille, je suis agent de développement de l'ONU, moi, j'ai saisi le bureau du droit de l'homme. C'est ce qu'il essaie de faire. Et c'est lui qui allait maintenant, parce que moi, je suis des choses, hein, je ne me lève pas comme ça. Maintenant, c'est lui qui allait se plaindre pour dire, mais attends, pour des enfants, vous demandez cela, ils ont commencé à prendre conscience qu'ils avaient commis une erreur. Vous comprenez? Or, en temps, pendant qu'ils nous ont refusé, on avait déjà inscrit. Voilà, parce que nous, c'est un programme. On a toujours un plan B. Vous ne voulez pas. Nous, les enfants, c'est un fardeau pour nous de les aider. Parce que c'est Dieu qui nous a mis à cœur de ne pas les rejeter de l'aimer. On les inscrit. Aujourd'hui, je vous parle, ces enfants-là sont aujourd'hui dans les écoles privées. Et nous assurons leur scolarité. Nous assurons leur tout. Mais on ne s'est pas plaint. Mais moi, j'ai salué parce que je me dis, ça y va du droit de l'homme. Parce que les enfants, vous refusez une éducation aux enfants. Ce n'est pas normal. Donc, je ne vais pas aller me plaindre devant le préfet. Moi, j'ai saisi le bureau du droit de l'homme à Dion. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont allés. Ils ont posé le problème, c'est là maintenant qu'on voit ça. Ah non, ramener les enfants, on les ramenait, c'était en retard. Après un mois, le programme, ça a déjà commencé. Quand vous avez refusé, nous, on les a déjà mis à l'école. Pour nous, les enfants ont droit à l'éducation. Donc l'argent qu'on avait, on l'a mis. Mais en même temps, on acceptait leur pardon parce qu'ils se sont excusés. On a accepté le pardon, on n'a pas fait de simple tapage. Ça, c'est des erreurs. Ils peuvent commettre des erreurs, mais je me dis que c'est des erreurs, il ne faut pas commettre, en fait. Il ne faut pas commettre parce que pour l'éducation d'un enfant, franchement, je pense que je pense pour eux, c'est une contribution. Ils devaient nous encourager dedans. Mais je n'ai pas fait de simples problèmes parce que le savoir-vivre aussi, c'est important en société. Pour moi, je n'ai pas fait l'orphelinat, mais je les ai mis au pas pour comprendre. Et tout ça, donc, pour nous, voici un peu les obstacles. Pour dire, même avec les autorités, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a cet incident, mais je n'ai pas fait de ça. Quand même au profit, je ne suis pas allé me prendre au profit. Moi, je suis allé dans le bureau du droit de l'homme. Ça, je me suis plaint, je dis, voici le problème qui se pose. Les enfants ont droit à l'éducation. Parce que c'est ça, l'enfant a droit à l'éducation. Parce qu'il se pose ici. Et c'est eux qui sont allés s'exprimer devant eux, avec mes collaborateurs. Et puis on a eu gain de cause aujourd'hui. Mais Dieu merci aujourd'hui que j'ai mon agrément. Mon agrément qui dit, ah, il n'a pas d'agrément. J'ai ça aujourd'hui. Ah, Dieu merci, j'ai mon agrément aujourd'hui. Donc, pour nous, avec les autorités, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec une autorité ici. Au contraire, si je constate qu'il y a une faille dans la vie d'une autorité de la vie, moi je prie. Moi, mon devoir, c'est de prier pour l'autorité. Prophète, est-ce que vous cracherez sur une reconnaissance nationale pour, comme ça, faire de vous un chevalier d'ordre de développement? Non, je n'ai pas besoin de ça. Franchement, je n'ai pas besoin qu'on me récompense, mais je pense que Dieu, c'est Dieu. Moi, je pense que Dieu déjà voit ce que je fais. C'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à cette récompense au nom de l'ONU. Hein. Je suis rentré... À l'ONU, j'ai été récompensé comme agent de développement. Ça me donne beaucoup d'ouverture dans le monde. Et ça enrichit mon carnet d'adresse aujourd'hui et tout ça. Mais je ne m'attendais pas à ça, ce n'est pas moi qui ai voulu. C'était que vous voulez ou pas, Dieu lui reconnaît, c'est Dieu qui touche les cœurs. Voilà. Ce qu'il fait dans le secret, là. Ici, dans le village, nous on appelle dans notre langage Nyéné, caché dans le village, là. Le monde entier, Dieu m'a révélé au monde entier. Parce que c'est ce que les gens cherchaient. Voir quelqu'un qui est dans un coin. Et qui, avec les mêmes moyens qu'il a, et qui arrive, n'est-ce pas, à aider d'autres personnes. Non, c'est ce que les gens recherchent. Dieu merci. Je ne cherche pas à être décoré par la nation. Si la nation reconnaît gloire à Dieu, mais je ne fais pas ça pour être décoré par quelqu'un. Je ne fais pas ça pour. Non, je ne fais pas. Moi, je pense que si les gens peuvent copier sur le prophète Crasso, gloire à Dieu, on aura pour régler le problème des microbes. Ça peut régler le problème des microbes. C'est pas mieux total. Mais ça peut régler le problème des microbes parce que j'arrive quand même à caser quelque part les enfants. Parce que dans nos systèmes, on a même un système d'éducation en place. Il y a les enfants sortent pour aller aux zoos, les enfants sortent pour aller se balader. On leur donne un système d'éducation. On a mis aujourd'hui l'anglais dans cette formation et tout ça. Aujourd'hui, on met Dieu sur la barre de leur éducation. On leur amène à craindre Dieu. Même l'éducation civique,
comment dire bonjour à quelqu'un, comment ne pas jeter des ordures, et tout ça, on met ça dans la tête des gens. Je pense que si le modèle, l'exemple du prophète Krasso est à Béroumi, à Korogo, à Truc, gloire à Dieu, voilà, qu'on prenne les enfants dans la rue et qu'on les met quelque part pour leur donner une éducation, parce qu'on n'a pas forcément besoin de l'État. L'État a trop de problèmes. L'État, c'est moi. L'État, c'est toi. Voilà. Moi, je ne sais pas. C'est un fardeau, vous savez. J'ai Dieu. Et quand on dit Dieu, c'est le partage. Quand on dit Dieu, c'est aimer son prochain. Moi, je le fais pas pour t'attirer les regards des gens. Par moment, quand les gens me supportent en train de donner l'argent aux gens, on me supporte, hein, à la vidéo. Par moment, au-dessus, je le fais parce que je lui ai dit, il faut aider les gens. Vaut mieux aider les gens que de les insulter. Vaut mieux aider les gens que de les blâmer. Vaut mieux aider les gens. Les gens ont besoin d'aide. Aidez-les. Aujourd'hui, on a aidé les enfants. Que les gens pensaient qu'ils étaient des sorciers. C'est vrai, c'est des mangeurs d'âme. Ils peuvent te manger, sauce à la chine. Il faut seulement d'apporter l'aide. Donc, Dieu sait aider. Dieu ne sait pas entre quatre murs aller à la mosquée, c'est vrai, ou aller à l'église. Dieu, c'est le partage. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui aide son prochain. Voilà. Prophète, pour ne pas faire du jaloux, le Saint-Péniel, qu'est-ce que ça veut dire? Mais le Saint-Péniel, c'est un endroit de délivrance. C'est un centre international. Tu es mangeur d'âme, tu viens te faire délivrer. Actuellement, les gens sont venus du Canada qui sont là. Des gens sont venus des États-Unis qui sont là. Le centre Péniel, c'est à caractère religieux. C'est un centre de délivrance. C'est-à-dire aujourd'hui, si un petit t'a bipé en rêve, tu as vu ton enfant, t'a bipé, il t'a fait un bipage, il veut te manger, tu sais où aller maintenant pour te faire délivrer le centre Péniel. Aujourd'hui, les gens, ils savent. Ils avaient peur de tout ça. Aujourd'hui, les gens, au lieu de tuer les sorciers, mais parce qu'avant, les gens empoisonnaient les enfants. Ils mettaient des produits dans la nourriture, les tuaient. Aujourd'hui, on les envoyait à prison parce que la prison ne peut pas délivrer les gens. Ils savent aujourd'hui. Et puis il y a le centre Péniel où on peut délivrer les gens. On peut délivrer les gens. Et puis non seulement ça, quand tu passes au centre Péniel, il y a des guérisons miraculeuses que le Seigneur opère. Des fous qui guérissent là-bas. Il y a des Syriens qui guérissent. Il y a des gens qui ont des cancers. Des séries de personnes qui ont des cancers. Qui ont été guéris. Donc c'est un centre, n'est-ce pas, de délivrance et de restauration. Alors pour rester dans la même. Alors vous avez effectué, je vais parler du dernier voyage. Oui. Vous avez conduit dans plusieurs pays d'Europe. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bilan par rapport à ce voyage? Ben, le bilan était positif. La preuve, c'est que dès que je suis arrivé, il y a beaucoup qui cherchent déjà à venir. J'avais un petit qui a fait le culte avec nous la dernière fois, Arnold, qui avait 14 ans, qui n'était pas venu au pays. Il avait peur. Voilà, donc le dimanche passé, on a vu plein de steps très émouvants. Il a retrouvé sa famille et tout ça, parce que les gens ont peur de venir au pays. Nous, les coachs, on leur demande de venir. Et en même temps, à partir de là, on leur donne des idées de pouvoir, n'est-ce pas, investir au pays. C'est pour cela que j'ai mon business qu'on appelle Barreau Communication. Dans Barreau Communication, il y a le coaching en matière de business d'investissement. On essaie aussi de coacher les gens, leur demander de venir investir. Donc, on fait un grand travail. Donc, étant en Europe, il y a des gens qui viennent qui ont peur. Qui ont fait des années, ont peur, tout ça. Nous, on est mieux placé pour vous expliquer. Vous leur expliquer le phénomène de la sorcellerie. On est à point que ça m'a permis d'organiser la Suisse. Ça m'a permis d'être en contact avec les... Même bientôt, à cause de cette tournée, on serait bientôt dans le mois de juillet au Cameroun pour une croisade d'une semaine. Hein, à Douala, Yaoundé. Voilà, Douala, Yaoundé, on part pour une semaine avec une délégation de 8 personnes, tout ça. Et après, on sera au Sénégal, tout ça. Donc, ça m'a permis d'être en contact avec toute la diaspora, l'a motivé de venir, n'est-ce pas, en Afrique. Donc, ça a été vraiment positif. Il y a eu pas mal de miracles. Il y a eu pas mal de miracles, des personnes qui n'ont pas des papiers, qui ont échoué leurs papiers. Il y a des personnes dont les mariages étaient vraiment brisés, qui ont échoué ce grand miracle. J'ai eu pas mal de miracles et beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus. Vous avez répondu à ma question, je sais, je vais dire perspective 2018. Ok, non, il n'a pas. C'est bon. Ok, d'accord. 2018 à moins que. Oui, ça sera dans la conclusion. Oui, il y a quelque chose à dire. Lui permet également de nous dire ce qu'il entend faire pour l'avenir. Toujours dans le cadre de votre ministère et de ses actions de développement qui s'ajoutent à votre ministère. Oui, mais d'abord, c'est d'abord le projet aujourd'hui, c'est la convention. Nous sommes en train d'organiser une convention en août, là, bientôt dans le mois d'août, du 1er au 5 août, nous avons une convention internationale. Pour réunir des milliers de personnes ici à Divo. Le thème, ce sera autour de ce que vous savez, comme la sorcellerie. Pour nous, notre église, notre communauté, on met beaucoup l'accent sur le combat spirituel.
Et puis on met beaucoup l'accent sur le développement de l'Afrique. C'est beaucoup le développement de l'Afrique. Qu'est-ce qui met obstacle, beaucoup de choses. Voilà donc. Et puis on a aussi une école de, n'est-ce pas, d'élevage qu'on est en train de mettre 6 pieds dans la région de Iré, comme ça, la sous-préfecture de Iré. Voilà, pour permettre aux jeunes gens de se prendre en charge. Voilà, pour permettre aux jeunes gens de se prendre en charge. Nous sommes en train de voir avec les enfants spirituels pour des cas, pour les enfants, pour la fondation, et ici, et tout ça. Donc, voici un peu. On essaie aussi de voir comment aussi prendre encore d'autres enfants en charge. Nous sommes en train de voir aussi comment prendre d'autres enfants en charge. Nous sommes en train de voir d'ici le mois prochain, financer. Il y a des femmes doula, il y a des femmes comme ça doula. C'est vrai qu'elles sont des femmes musulmanes, mais nous les prenons en charge. Bientôt, nous allons les prendre en charge. Elles sont au moins 300 femmes. Nous avons décidé au niveau de la fondation de leur donner au travail un prêt. Parce que c'est un prêt. On ne peut pas donner l'argent comme ça. Un prêt. Elles vont prendre ce prêt-là pour faire chambre froide de poisson. Dès qu'elles nous redonnent l'argent, l'année prochaine, on va essayer de donner ça à d'autres personnes. Donc, pour nous, parce que c'est les enfants de ces femmes-là qu'on suit. Voilà. Parce que si l'enfant va à l'école, hein, il faut qu'il ait à manger. Voilà. Donc si maman ne travaille pas, et nous savons bien, nos papas, c'est 100 francs qu'ils donnent pour la sauce. Il faut qu'ils trouvent bien dedans. Il faut qu'ils trouvent crabe dedans. Il faut qu'il y ait polo dedans. Foutou, escargot, tout ça. Et 100 francs. Donc la veille, elle fait comment? Bon, point d'interrogation. Donc pour éviter la mer, on a décidé de régler ce problème-là. Donc nous sommes en contact avec nos mamans-là. C'est vrai, ici, la religion n'est pas une barrière pour nous. Voilà. Pour aider quelqu'un, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de bonne volonté, de l'amour qu'on a pour son prochain. Donc on a décidé comme ça de régler ce problème-là. D'ici le mois de mars, on va essayer de... Après le 24, les corps des parents, là, la formation, la conférence, on les met en association, on les aide. Moi, j'ai l'habitude de les aider. Et cette fois-ci, on va octroyer un prêt, de l'argent, une chambre froide, et on va commencer à travailler. Et l'année prochaine, on récupère l'argent, donne à une autre personne, donne à l'association des femmes. Maintenant, on a misé sur nos mamans. Les femmes dont les enfants, dont la cadence, parmi les milliers d'enfants, c'est les dames là comme ça qu'on va essayer d'aider, y compris la jeunesse. Voilà. Donc voici un peu ce qu'on peut en faire dans la vie. On peut dans nos valeurs. Je ne sais pas si le président, lui en tant que fils de la région, lui en tant que fille de la région, en quelques mots, parce que lui, président et moi, on a une histoire, hein, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Hein. Avant Zaroko, on était ensemble. Sangaré même sait, il nous a déjà connus dans les conférences de presse. Il m'a déjà accompagné à Grand Laou. Donc lui et moi, on a beaucoup tourné. Et à sa grande surprise, il ne savait pas. C'est moi qui l'appelais un matin pour dire je suis à Zaroko et tout ça. Je suis venu travailler ici. Et le Seigneur a confirmé que ça soit à Divo. Donc lui et moi, on est ensemble. Il est fils de la région. Il y a aussi, il est le président de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance, les crimes spirituels et tout ça. Il est aussi un conférencier. Lui, il débat le thème scientifique, moi, je suis voleux et spirituel. Voilà, donc, en quelques mots, voilà, lâcher les paroles. Et puis bon, moi, j'aurais peut-être le temps de conclure après. Merci, prophète. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que ce qui me concerne aujourd'hui, par rapport au prophète dans ma région, je pense que c'est le sédentariser effectivement. C'est-à-dire que je dois rendre sa sédentarisation effective. Il est venu implanter Dieu dans ma région. Je suis en phase avec lui. Parce que nous savons un peu les dégâts que cause la sorcellerie dans notre région. Et quand vous regardez par principe la situation de notre région, disons que c'est une terre bénie. Tout le monde vous le dira partout. Parce qu'on a tout ce qu'il y a comme fertilité, comme richesse. Et en même temps, on dit où abonde le bonheur, c'est là qu'abonde aussi le mal. Satan a pris le contrôle de notre région. Et je pense que la venue du prophète Crasso, comme il vient de le dire, vraiment, c'est une action voulue par Dieu, son employeur. Il a mis en mission spécialement à Divo ici. Et comme avec Dieu, rien n'est hasard, c'est par moi. Aujourd'hui, nous avons ce privilège-là. Et cette légitimité-là de nous affirmer comme les propriétaires de Divo, parce que nous avons les terres. Aujourd'hui, nous avons 90% des terres. Donc, ce n'est pas du hasard. C'est par nous que le prophète pouvait s'implanter. C'est-à-dire quoi? Que le grand symbole
Je dis bien le grand symbole, et j'insiste, c'est l'église dont parle le prophète. Mon premier souci aujourd'hui, c'est que cette église-là voit le jour. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas trop de commentaires avec Dieu là, tel que moi, ce que j'ai découvert, chaque jour que Dieu fait, à travers le prophète Crasso, ma foi se renforce. Voilà. Parce que lui-même, il nous l'enseigne. Avec Dieu là, c'est les fruits. C'est Dieu est concret. Ceux qui pensent que Dieu, c'est du virtuel, ils ont menti. Dieu est concret. Et moi, avec le prophète Crasso, chaque jour, je découvre Dieu. C'est merveille. Tout ce qu'il pose comme acte, c'est du concret. Donc, nous là, ce n'est pas des commentaires. L'église doit voir le jour, la plus grande église, et c'est le seul symbole, n'est-ce pas? Et à travers cette église, Dieu, Divo doit être le lieu de repos de Dieu, parce qu'il a envoyé son fils, excusez-moi, c'est pas du machin, je ne blasphème pas, mais c'est son fils, c'est son serviteur, et Dieu est fier de lui, parce qu'à travers lui, Dieu pose des actes concrets, et le prophète Crasso est venu faire le lit de Dieu, ici à Divo, et je suis prêt à lui donner les terres qu'il faut, quels que soient les hectares, Dieu le permettra. Et il fera ce travail-là. Parce que c'est l'implantation. Le symbole, c'est l'église. Ça, j'insiste dessus. Pour ses enfants, nos jeunes frères qui sont en Europe, partout, pour qu'ils sachent que cette église-là doit être un grand symbole, une merveille. C'est-à-dire une église qui doit rayonner dans notre région. En même temps, qu'elle doit en même temps faire disparaître la sorcellerie. Amen. Je vous remercie, prophète. Et vraiment, soyez vraiment, on est impatients que cette église-là soit implantée. Très bientôt. Voilà. Très bientôt. Je tenais aussi à vous dire que mon premier livre est sorti. Vous aurez bientôt l'occasion de voir les échantillons. Connaître et détruire les œufs de la sorcellerie, ça c'est le tome 1. Et nous sommes en train de préparer bientôt le tome 2, c'est très, très bientôt. C'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'évolution. On a plus quand même le temps et tout ça. On est en train de, nous sommes dans beaucoup de choses. Non, les 5 ans. Voilà. Il y a moins de 5 ans que vous êtes dans la région. Voilà, dans la région, voilà, en train de suivre un peu mes activités. Et je pense que les choses évoluent. Les choses évoluent. Et on sent que c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu qui s'exerce. Connaître et détruire les œufs de la sorcellerie. Voilà. Bien dit. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, M. Didier. Merci à vous aussi. Monsieur le Président Seiko, nous avons été très heureux de cet échange fructueux. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous permet de continuer sainement cette œuvre. Merci pour le salut des gens. Merci. Merci. Ok, shalom.